C'est à vous la suite avec nous ce soir, un bad boy du cinéma américain, un acteur rebelle qui ne ressemble à aucun autre, un premier film à seulement 14 ans, un premier succès à 18 ans révélé par Francis Ford Coppola dans The Outsiders aux côtés de Tom Cruise et Patrick Swayze, devenu culte dans la comédie des frères Farrelly, Marie à tout prix. Pouffer ? Pouffer ? Déconne pas, mon vieux. Vous voulez de la mousse de palourde ? Non, merci. J'aimerais bien du pain perdu, s'il y en a. Du pain perdu ? Deux, trois. Depuis, il n'a cessé de casser son image en jouant des films d'auteur, Gus Van Sant dans Prêt à tout aux côtés de Nicole Kidman ou encore Lars von Trier, qui lui demande de camper le bad boy de l'extrême, un serial killer, dans The House That Jack Built, film sulfureux qu'il a eu la chance de présenter en avant-première à Cannes. Matt Dillon est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir. Bienvenue, cher ami. Yes, yes, okay. Yeah, that's your seat. Marion. Bonsoir. Et je ne vous présente pas Pierre. Of course. Of course. We know each other. Yes. Je suis ravie de vous voir en vrai, parce que vous m'avez vraiment inquiété dans ce film volontairement dérangeant, signé du grand Lars von Trier. Vous êtes excellent de froideur, d'inquiétude, complexe, méthodique, une assurance déroutante. Jouer un serial killer, est-ce qu'on dit oui tout de suite ou est-ce qu'on se pose quand même la question, même si c'est signé Lars von Trier ? Ben, je veux dire, j'avais quand même des doutes au départ. Je vous avoue qu'en lisant le scénario, j'avais des doutes. Mais ça n'avait rien à voir avec le réalisateur. C'était plutôt le personnage que j'étais censé jouer, jouer quelqu'un de ce genre. Bon, c'était... J'avais quelques réserves, disons. Pour autant, c'était un challenge, un défi à relever. Et c'est sans doute pour ça que j'ai accepté le rôle. C'est un rôle de composition. Hein. Quand on vous voit, on sait que vous n'avez rien de cette froideur inquiétante du personnage dans ce film de Lars von Trier. Il était présenté hors compétition au Festival de Cannes cette année, un événement qui était d'autant plus attendu que Lars von Trier était persona non grata depuis 2011. Vous appréhendiez cette montée des marches ou au contraire vous vous en faisiez une joie, vous l'attendiez avec impatience? Moi, j'attendais avec impatience la montée des marches. J'avais des réserves. C'était pour revoir le film. Hein. En octobre, je me suis rendu à Copenhague avec Bruno Gantz pour faire le doublage, la post-prod essentiellement du film. Et j'avais quelques doutes, mais Lars m'a pris par la main. Il faut que tu vois le film avec moi à Cannes. Alors j'ai dit bon. Au début, je voulais pas y aller parce que j'avais peur que je me rejette. Hein, moi-même à travers le personnage. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai revu le film dans la salle de projection. Et puis, après le film, je me suis tourné vers lui. Je me dis, Lars, j'adore ce film. Et puis, il m'a regardé. Il m'a dit, quoi? J'aurais peut-être pas dû dire ça. Il va falloir changer le film maintenant. Mais non, j'avais vraiment aimé le film. Je n'ai rejeté ni le personnage, ni le film, parce que sa maîtrise dans la narration, dans sa façon de raconter cette histoire. Et puis, je trouvais que ce film avait quand même quelque chose de... Comment dirais-je? De l'humour noir, certes, mais de l'humour. C'est un film drôle, à sa façon. Bruno Gantz l'avait revu plutôt avant moi, et il m'a dit, non, tu verras, tu seras très fier de toi. Il y a beaucoup de choses dans ce film. Hein. Ce personnage dit, voilà, tu m'as donné de quoi réfléchir, et c'est la raison pour laquelle je t'amène au 9e cercle de l'enfer. Et c'était très vrai. Hein. Le film est très riche, très intense, et c'est pas simplement un film sur un serial killer. On parle également d'un artiste manqué, de beaucoup de choses. Un architecte raté, on regarde la bande-annonce. Oops, that was maybe a mistake. What was maybe a mistake? Me getting in this car with you. You might as well be a serial killer. Sorry, but you do kind of look like one. Un
film qui est interdit en salle au moins de 16 ans, mais qui n'était pas interdit, bien au contraire, à Cannes, en mai dernier, Pierre. Ah bah heureusement non. comme beaucoup des films de Lars von Trier, La maison de Jack, comment dire, ne laisse personne indifférent. Vous imaginez, Matt, pour moi, j'ai vu le film à 9h du matin, dans la salle de projection du Festival de Cannes, j'étais seul. Et vous imaginez le coup à l'estomac dès les premières scènes avec vous et Uma Thurman. 9h du matin, la journée était bien lancée. Mais parmi nous et toute l'équipe de Thierry Frémaux, le sélectionneur du Festival de Cannes, c'était unanime. Ce film devait être à Cannes. Cette quête analytique et au scalpel du mal, le mal absolu, est d'une rigueur scénaristique exemplaire, inexorable, avec une qualité de mise en scène qu'on voit déjà dès cette bande-annonce, une qualité de mise en scène cinématographique de très, très haut niveau. Tout cela emmené par vous, Matt, et votre si grand talent qui fait froid dans le dos, sans oublier le personnage formidable de Bruno Gans et toutes et tous les autres. Dès lors, Lars devait revenir à Cannes et le conseil d'administration du festival, sur notre proposition, Thierry et moi, a levé l'interdit Lars von Trier, une quarantaine qui durait depuis 2011, et la conférence de presse de Mélancolia, où Lars, en provocation, avait dit « Ben oui, après tout, oui, je suis nazi ». Sans doute ce jour-là avait-il trop provoqué, au point qu'on en oublie son sourire en coin, mais on peut dire que la provocation, ça fait un peu partie du personnage de Lars. Oui, bah, tout à fait, ça fait partie de son personnage. Disons que Lars von Trier, c'est probablement l'un des plus brillants réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé. Pourquoi ? Parce qu'il casse les codes. Il break the rules. Il casse les règles. Ce personnage que vous interprétez, serial killer sans limite, sans frein, au contraire, jusqu'au boutiste, il vous va bien parce que je crois qu'il n'y a que vous, Matt Dillon, depuis le début de votre carrière, pour jouer l'impossible. Pour jouer des rôles totalement à contrario de ce qu'on peut imaginer de vous, comme le disait joliment Anne-Elisabeth tout à l'heure. C'est ce qui fait votre caractère, votre profil unique, votre talent incomparable, votre incapacité à vous couler aussi dans le système hollywoodien. Ça vous amène à dire non, souvent, à vous rendre la vie pas toujours simple ou confortable, mais ça vous permet aussi de présenter une filmographie exceptionnelle. Lars von Trier a bien fait de vous proposer de construire sa maison. Vous êtes très aimable. Enfin, quand on dit que vous êtes le personnage parfait pour jouer ce serial killer, je ne sais pas, c'est peut-être un peu ambigu comme compliment. Cela étant, il faut voir que c'est un personnage compliqué, un film compliqué, et pour le juger, il faut le voir d'un bout à l'autre, absolument. Alors, Pierre le disait, un rôle déroutant, mais finalement pas si étonnant quand on regarde votre carrière. Vous n'avez jamais été là où on vous attendait. D'ailleurs, devenir acteur, c'était déjà un peu un hasard. En tout cas, c'est ce que vous racontiez à Yves Mourouzi lors de votre première télé en France, et c'était en 1984. Oui, enfin, ce qui s'est passé lorsque j'étais au lycée, on est venu à l'école, j'ai passé une audition, plusieurs d'ailleurs, et puis quelques essais à l'écran, et finalement on a donné le rôle. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire. Avant cela, je n'étais pas vraiment sûr de ce que je voulais faire. Alors vous avez quoi? You say wow, quoi? Ah ouais, c'est quand même intéressant, non? Parce que on dit que tu ne vieillis pas. Si quand même, quand on voit l'avant et après. La même voix de basse. Cette même voix très grave que vous avez aujourd'hui. Alors, il paraît que pour ce casting, c'était un casting pour Over the Edge, Violence sur la ville, vous vous êtes assis devant le réalisateur, Jonathan Kaplan, sans lui jeter un regard, clope au bec, arrogant. Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était déjà la légende, Matt Dillon ? Non, je n'avais pas la clope au bec, non. Pour autant, ce dont je me souviens, c'est qu'il pleuvait. Ce jour-là. Et là, là où le casting se passait, on était entouré de glace, de grands miroirs,
J'avais les cheveux longs, j'étais trempé. Alors j'ai pris mon peigne pour me repeigner les cheveux. Et ils croyaient que c'était assez choquant devant d'autres acteurs, que c'est pas un truc à faire, qu'un acteur normalement serait trop intimidé pour oser se peigner. Voilà, je me rappelle ça. J'ai un peu improvisé, je me rappelle. Et je crois que le réalisateur trouvait ça plutôt bien. Alors, on n'a pas ce casting, on n'a pas les images de ce casting-là, mais on a des images du casting d'Outsiders de Francis Ford Coppola. Ça sera 4 ans plus tard, en 83. Ah, j'avais jamais vu. Vraiment ? Les cheveux longs, déjà. Non. Vous vous trouvez bien ? Je suis surtout étonné de me regarder, de me revoir là. Je me regarde pas avec particulièrement d'intérêt, mais quand même, c'est marrant de voir ça. Vous vous souvenez de ce que pensait ce jeune homme-là à ce moment-là, au moment de ce casting, ce qu'il avait dans la tête? Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'à l'époque, Francis Ford Coppola était un dieu pour tous les acteurs. On le vénérait, donc tout le monde voulait ce rôle, tout le monde voulait travailler sur ce film avec lui. C'était un peu intimidant parce qu'on s'est retrouvé dans une salle où tout le monde était rassemblé. Et je me rappelle qu'au début, il m'avait rejeté dans un premier temps. Alors je me suis dit, bon, ben voilà, c'est raté. Et il a dit, non, tu peux rentrer chez toi. Et puis le lendemain, il m'a rappelé pour dire, voilà, t'as le rôle. J'étais sur un nuage, travailler avec Coppola. Sur ce film, vous jouez aux côtés de, entre autres, Patrick Swayze, Tom Cruise, Rob Lowe. Mais vous êtes un vétéran par rapport à tous ces petits jeunes, parce que vous avez déjà 6 films à votre actif. Est-ce que vous leur donnez des conseils? 6 films déjà? Alors écoutez, c'est intéressant parce qu'effectivement, d'une certaine façon, j'étais un vétéran, enfin, vétéran façon de parler quand même. Mais en fait, non, j'étais débutant. Hein, j'apprenais sur le tas. Et ces autres acteurs étaient plus âgés que moi. Je crois que j'étais peut-être le plus jeune ou le deuxième plus jeune dans le groupe. Ce qui est assez curieux parce qu'effectivement, mon personnage dans ce film, c'est un peu le chef de gang. Enfin bon, toujours est-il que j'étais l'un des plus jeunes. Alors, à 21 ans, vous avez Hollywood à vos pieds. Vous devenez le membre à part entière de ce groupe d'acteurs américains qui crève l'écran au début des années 80, qu'on appelle le Brat Pack. Parmi eux, il y a donc Tom Cruise, Patrick Swayze, on les voit là, Kevin Bacon, mais aussi Demi Moore ou John Cusack. C'était une nouvelle génération, une nouvelle vague. Vous aviez cette impression-là de représenter quelque chose de nouveau ? Je ne sais pas. Alors effectivement, c'était une nouvelle génération d'acteurs, ça c'est sûr. Tous ceux qui ont travaillé sur The Outsiders ont ensuite eu de réelles carrières au cinéma, c'est vrai. C'était un nouveau début, mais enfin, moi j'étais. Enfin, ça se passait à New York, et alors que l'industrie se passe à Hollywood, à Los Angeles. Donc moi j'étais moi-même un outsider venant de là. Et je me rappelle que quand on a fait ce film. Donc, Outsiders, Francis Ford Coppola est venu me voir, me dit il y a un autre bouquin que j'ai lu qui est génial, j'ai envie d'en faire un film. C'était Rusty James. Et il l'a fait, il a dit voilà, on va faire ce film dans la foulée de Outsiders et je veux que tu sois dedans. Alors, je dis d'accord, bien sûr, oui, tout de suite. Et il a dit tu pourrais jouer le motocycliste. J'ai dit mais pourquoi pas Rusty James lui-même ? D'accord, ok. Et puis le lendemain, il m'a dit bon, c'est Mickey Rourke qui a eu le rôle du motocycliste. De Coppola dans la même année. en effet. Et c'était 2 mois plus tard. Hein. C'était vraiment dans la foulée. Et c'est comme ça qu'il travaillait, Francis. Il avait cette énergie incroyable. Après ça, vous avez refusé tous les rôles trop commerciaux. Comme vous le disiez, vous ne voulez pas de ça. Je ne sais pas si j'ai tous refusé. C'est à vous de me le dire. Vous me dites ça. Il n'empêche, vous êtes méfiant avec le système, avec Hollywood. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si méfiant? Qu'est-ce qui vous énerve dans ce système-là dont vous vous êtes tenu à l'écart? Je vais vous dire. Pour moi, le système hollywoodien, par rapport à ça, je me dis, si en tant qu'acteur, j'ai un rôle à jouer, et s'il y a plus de raisons de jouer le rôle que de ne pas jouer le film, c'est ça qui me décidera à accepter le rôle. C'est tout. C'est-à-dire que je fais abstraction du reste. Je ne m'intéresse pas trop à tout l'environnement hollywoodien, que ce soit un film des majors ou non.
Spielberg, par exemple, fait des films hollywoodiens, mais c'est des super films. C'est des super films. La liste de Schindler, c'est un film incroyable. Et donc, si le rôle, c'est un rôle de qualité, je le ferai indépendamment de savoir si ça fait partie de la machine hollywoodienne. D'ailleurs, le système change tout le temps. On sait qu'il se passe beaucoup de choses actuellement. D'ailleurs, la télévision, le streaming, ça change la donne à Hollywood. Et ces grands réalisateurs disent qu'il faut garder la magie du cinéma, dans la salle de cinéma. C'est là qu'on retrouve la poésie du film, et c'est pour ça que je vais travailler avec Ventris, justement. Mais c'est vrai que tous les jeunes comédiens qui vous entourent dans le Coppola, Outsiders, et puis ensuite vous tournerez Rusty James, pour vous tous, démarrer, imposer son talent avec Coppola, ça vous donne le goût pour les bons scénarios et les bons cinéastes. Et on voit, en 89, vous repérez un nouveau talent. Vous repérez Gus Van Sant, c'est 2 ans avant My Own Private Idaho, et vous acceptez le rôle dans A Drugster Cowboy, un rôle extraordinaire où, avec votre femme, vous êtes un camé qui va écumer toutes les épiceries, les drugstores et les pharmacies de Portland pour subvenir à vos besoins de drogue et d'argent, et c'est extraordinaire. On regarde un extrait. Mais bougez-vous ! Vous faites quelque chose, merde ! Regardez, elle devient bleue. Excusez-moi, je suis pressée, je voudrais payer mon sac. Laissez-moi passer. Je reviens, mademoiselle. Mais faites quelque chose! Ça date de 89, et pour les plus jeunes, c'est à voir et à revoir. Yeah. Tout à fait. Et c'est, le tournage de ce film, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là que j'éprouve toute la passion pour le cinéma. C'est dans ces moments où on entre dans un monde tout nouveau. Quand j'arrive sur ce plateau, j'arrive dans un univers complètement nouveau, quelque chose que je n'ai jamais vu. Et Gus Van Sant, c'est un artiste de cette trempe-là, un visionnaire. Et ça, et lui, il était fan de Rusty James, justement, et il a d'ailleurs été influencé par Coppola. Donc, il y avait un lien avec les deux. Mais lorsque j'ai voulu réaliser mon propre film, c'est lui qui m'a appris. Enfin, je me suis inspiré de lui, de Francis Ford Coppola, de Gus Van Sant, d'autres réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé. Et c'est vrai que le cinéma, c'est vraiment fait pour les réalisateurs. Enfin, ils doivent bien connaître leur métier, c'est pour ça que j'ai respecté. Et je les suis. Gus, de ce point de vue-là, est un réalisateur exceptionnel. Et puis un jour, votre route a croisé celle des frères Farrelly, celle de Cameron Diaz et celle de Ben Stiller dans le formidable Marie à tout prix, immense succès public, film génial. On regarde un extrait. Bon chien, chien. Ah, quel pied. Vous avez des nouvelles du chien, le pauvre. Je crois que c'était il y a longtemps. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce chien. Je ne sais pas s'il est des nôtres. Mais le producteur de ce film, figurez-vous, il a les chiots qui sont nés de ce chien. Et je crois que les arrière-petits-enfants sont encore dans les parages. C'est une star. C'était il y a 20 ans tout juste. 20 ans, Marie à tout prix. Est-ce que, même si c'est pas... C'est dingue, hein, quand on y pense. Même si c'est pas un genre dans lequel vous avez persisté, la comédie, vous avez aimé cette expérience-là ? Non, j'ai adoré, au contraire, j'adore la comédie. Alors, j'ai pas souvent eu l'occasion, mais quand même. Moi, j'aime la comédie. J'aime trouver des aspects comédiques dans tout ce que je fais. Donc, même si je fais pas des comédies à part entière, par exemple, dans Drugstore Cowboy, il y a de la comédie. Dans The House that Jack Built, il y a aussi des aspects comiques, si l'on peut dire. Parce que quand on
quand on fait une comédie, on ne peut plus séparer, si vous voulez, le personnage du film. Ils ne font qu'un. Hein. C'est la vérité entière. C'est, je crois que c'est Shakespeare qui a dit que la comédie est vérité une. Enfin, cela dit, j'adore la comédie, je voudrais en faire plus. Je voudrais en faire plus. Okay. Si vous avez une proposition, on pourrait, peut-être une comédie française. Si je peux vous aider, ce sera avec plaisir, Matt Dillon. En 2002, vous avez écrit et réalisé un thriller, City of Ghosts, dans lequel vous avez fait tourner le grand Gérard Depardieu. C'était facile de faire tourner Gérard Depardieu? Il a une réputation colossale en France, hein. Je vous dis, c'était un don du ciel pour moi. J'adore cet homme. On a travaillé superbement bien ensemble. Il a passé 3 semaines avec nous. Et c'était un rêve, un amour. Il a apporté beaucoup de légèreté au plateau, beaucoup d'humour. On m'avait raconté des histoires très... c'est vrai qu'il est plus grand que nature, hein, ce personnage. Moi, j'adore. Je me suis vraiment très bien entendu. Et je vous dis, c'était un rêve pour un réalisateur. Et quand il est parti, je sentais un vide. Voilà. Sa présence n'était plus là. Il nous a manqué. Immense acteur de comédie, Gérard Depardieu. Vous pourriez tourner une comédie en France avec lui. Une idée comme ça. Mais oui, et d'ailleurs justement, c'est ce qu'il nous a apporté, c'est-à-dire une prestation, disons comédique, si je puis dire. Un comédien. Et tous les acteurs français, il y a Gérard Depardieu, etc. Vous êtes resté en contact depuis avec lui? Non, enfin, ça fait un bout de temps. Je crois qu'il est difficile à joindre. Il est en Corée du Nord, je crois savoir. Donc, je ne sais pas comment on peut l'appeler au téléphone. Je ne sais pas l'indicatif de la Corée du Nord. Non, ça fait longtemps que je l'ai pas eu au téléphone. Mais si, au fil des années, bien sûr, on a gardé le contact, mais pas récemment, pas récemment. Il n'est pas facile à joindre. Il est dans les parages, vous savez, non? On ne sait jamais vraiment où est Gérard Depardieu. On ne sait pas. On lui transmettra le message au cas où. En attendant de vous applaudir dans une comédie, il faut aller vous voir au cinéma. Ah oui. Dans ce film présenté à Cannes en mai dernier, signé Lars von Trier, The House That Jack Built. Merci beaucoup, Matt Dillon, d'être venu. No animals. Aucun être humain n'a été blessé pendant le tournage du film. C'est important de le préciser. Ouais. C'est en salle à partir de demain. C'était un plaisir de faire votre connaissance. Vous êtes ici le bienvenu quand vous voulez. Tout de suite, c'est entrée libre. Claire Chazal. Merci. Je vous en prie. Et si vous voulez bien, Matt, salue nos téléspectateurs en regardant Aurélien qui est là. Vous pouvez souhaiter une bonne soirée en français à nos téléspectateurs. Bonne soirée. Sur France 5. Sur France 5. Et voilà.